Dans les eaux marronâtres de l'estuaire de la Gironde, entre les rochers repeints au fioul et le sable vaseux qui abrite les meilleures huîtres du monde, personne ne se doute de la tragédie qui nous frappe depuis des milliers d'années, nous, les Exploitus Nouvriantus, appelés communément jouets de l'actionnaire, ou plus souvent, Nouvriers. L'actionnaire nous prend, nous jette, c'est là notre tragique destin. Considérés comme faisant partie de la basse classe de leur société, nous ne sommes souvent, à leurs yeux, que des pestiférés. Mais notre destin est bien plus tragique que ça. Bon, ben, c'est pas tout ça, mais faut que j'y aille. Tu pars par où? Par là, et toi? Ah, moi je vais par là. Bon, à la revoyure. Ciao. Ciao. Et merde. Si la nature nous a permis de nous déplacer sur le côté, comme nos cousins les étrilles ou les tourteaux, elle ne nous a pas, en revanche, accordé le droit de pouvoir tourner. Une tare génétique qui nous condamne à marcher toute notre vie suivant la même ligne droite. Alors poupée, toujours dans le droit chemin ? Ouais, c'est ça, casse-toi ! Notre destin est tracé dès notre naissance, en fonction de l'emplacement de notre route. Certains ont de la chance, d'autres moins. Certains ont une vie passionnante, d'autres moins. Malgré toutes ces inégalités, nous finissons tous par devenir exploités. Mais certains peuvent voir leur destin changer d'une minute à l'autre. Hé, hey, qu'est-ce qui se passe? On dirait que c'est mon jour de chance. Ouais, super, je change de trajectoire, vénard. Ciao mon pote, à moi la nouvelle vie. Vas-y. Un jour, un ouvrier s'est arrêté de marcher et s'est mis à réfléchir. Il est devenu philosophe. Enfin disons, un peu moins bête que les autres. Il a compris beaucoup de choses sur notre condition. Alors il est monté sur un rocher et on l'a écouté. Il nous a dit ceci. Les tourteaux savent tourner, mais ne vont nulle part. Nous on va tout droit, mais au moins, on va quelque part. Alors qu'est-ce qui a changé? D'accord, on peut toujours pas tourner, mais maintenant, on est fiers d'être des Exploitus Nouvriantus. Mais attendez de savoir ce qui m'est arrivé, bien des années plus tard, à la suite d'une catastrophe comme seuls les humains savent les faire. J'allais me faire aplatir par un ferry de 200 mètres de long qui recouvrait toute ma trajectoire. J'étais foutu. Et oui, j'avais tourné. Et compris du même coup que si on ne tournait pas, ce n'était pas à cause de notre condition. C'était parce qu'on était trop con. Mais déjà les miens me regardaient avec un drôle d'air. Mais le fou, disait-il. La bifurquée, où est donc passée ta dignité? Je me suis donc remis dans mon axe et j'ai poursuivi mon destin. Mais un jour peut-être, se souviendra-t-on qu'à cet endroit précis, un Exploitus Nouvriantus a délibérément changé de direction.